Monsieur le directeur, vivement intéressé par votre offre d'emploi au poste du chef du service social de votre entreprise, j'ai l'honneur de vous proposer ma candidature. J'ai déjà assumé des responsabilités identiques en Europe et il me serait agréable de prouver mon dynamisme et mon efficacité. Je vous remercie pour l'attention que vous accordez à ma demande et me tiens à votre disposition. Veuillez agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes sentiments dévoués. Doctorat en sociologie, responsable d'un centre de réinsertion, membre actif d'une association sportive des chaises roulantes. Malheureusement, le poste qu'on voulait vous proposer nécessite des efforts physiques. J'ai l'impression d'entendre le même refrain. Pardon ? Il fait beau aujourd'hui. Alors, comment ça s'est passé ? C'est comme les autres fois. Ils demandent tous un certificat médical d'aptitude. Ce que je ne peux pas avoir. C'est un cercle vicieux. Rally ? Rally ? À quoi penses-tu ? Je ne sais pas si on a fait le bon choix en venant ici. Ne te démoralise pas, ça fait même pas un mois qu'on est arrivé. J'ai peur qu'un mois ne devienne un an. Et on n'a même pas les moyens de supporter le chômage. Écoute, tu m'as toujours parlé de ton projet d'écrire un bouquin. Profites-en maintenant que tu as le temps. Moi, je trouverai un travail et je m'occuperai du reste. Me voilà de retour après mon long séjour en Europe. J'ai tellement pensé à ce jour. Christine n'était jamais venue dans un pays arabe, mais imaginait-elle les décors des mille et une nuits? Moi aussi, je rêvais de mon retour. J'avais des ambitions. Avec mes diplômes, je m'imaginais utile pour mon pays. J'entrevoyais mon avenir professionnel. Mais tout s'est écroulé subitement ce jour-là, ce qui m'a donné finalement l'envie d'écrire afin de donner un nouveau sens à ma vie. صباح الخير سيدي. فين هو الدري اللي باغي تقيدي؟ ها هو. ومالك محمله؟ مشلول سيدي. ما كنقبلوش المعوقين عندنا. ولكن يمكن اللي يكتب بيده وبعقله وكيفهم تبارك الله. هادشي اللي كاين لالا ومن الناس راه كينتظروا على برا. هذا راه من حقه. زيد. C'était la première fois que j'ai commencé à comprendre ma situation et d'autres choses qui se sont passées par la suite. آه لا لا كان قين نهار وما طار فيه حرتوا عليا الشمايت بحال شي حمار باش نجيب لكم ما تاكلوا ومن اللي رجع من القمه ناكل وانت كتضيع الوقت مع هاد المعطوب باش تقيدي في المدرسه شنو زعما غادي يولي وزير ما هو شي ولد من عبد الهادي غير قلت ما عنده صحه على الاقل يتعلم يقرا ويكتب بحال قرانو الساعه دوك ولاد الحرام في المدرسه ما حنوش فيه آه لا لا يمشي ساعه ويعاوني على خوتو depuis ce jour là j'ai commencé à haïr mon père il m'a fait honte surtout devant la pute qui ne m'aimait pas Ma présence l'a dérangé quand j'étais seul à la maison, pendant qu'il faisait défiler ses mecs, devant l'instituteur Saïd, que j'aimais beaucoup, et surtout devant les deux vieux propriétaires de la maison qui me détestaient tous. Ali ? Ali, réveille-toi. Tu m'as laissé passer la nuit ici. Je dormais pendant que tu écrivais. Je n'ai pas voulu te déranger ce matin. Tu as bien travaillé cette nuit. Où tu vas? Eh bien, aujourd'hui, j'ai une entrevue avec une maison d'édition qui cherche un rédacteur. Après, j'irai au consulat déposer une demande d'emploi. Et toi? Je vais essayer d'écrire. Et si je m'ennuie, je ferai un sourd Médina. Bon, c'est l'heure, il faut que j'y aille. Les terrasses, un endroit mystique. Tant de choses se sont passées là-haut. Le linge sèche, certains font l'élevage de pigeons,
Mon père, lui, avait fait de notre terrasse une pépinière avec une centaine de plantes qu'il vendait chaque vendredi, sans jour de repos. Ma mère ne trouvait pas le chariot très satisfaisant. Elle avait entendu parler d'une femme étrangère qui a été assistante sociale au dispensaire et qui aidait les pauvres gens à obtenir des aides. Elle décida alors d'aller la voir. شنو عندك؟ بغيت نشوف المفتش على قبل شي كروسه لولدي. جبتي الورق اللي كيخصو؟ شهادة الضعف. عقد الازدياد. شهادة طبية وباقي خاصك شهادة مدرسية. بغيت نسجلو في المدرسة وما قبلوش حيت مشلول. غادي نعطيك رانديفو ومن دابا شهرين غترجعي باش تشوف كي المفتش. Terminé tôt aujourd'hui. Je suis fatigué. Et puis je n'ai rien à raconter. Tu as un peu avancé? Oui, un peu. Tu vas lire et tu me donneras ton avis. Et toi? Je commencerai à travailler demain. Et comment elle est, la dame? Elle s'appelle Ella Benchi. Je ne me souviens plus de son nom. C'est une femme très sympa. Je lui ai parlé de ton projet, elle est intéressée par le sujet. Elle va nous inviter un de ces soirs chez elle. Être un enfant handicapé et rester tout le temps à la maison n'était pas drôle. Mon frère allait à l'école, on sortait dans la rue. Ma sœur passait toute la journée à Dalmalma, où on exploitait les filles de son âge à faire les tapis. Mon père, lui, ne revenait de travail qu'à 5 heures de l'après-midi. Et moi, je passais toute la journée avec ma mère, jusqu'au jour où elle a demandé à mon frère de me sortir. C'est presque 2 mois entre l'hôpital et la maison, jusqu'au jour de rendez-vous avec l'assistante sociale. Vous dites zouin, Nalla? Ma kem chiche le madrasa? Chauffé, carossa, ma ken mouchkin, ajim n'badcha. Ouara? Madrasa, blatichouya, ajim n'badsef. D'abord, adin chouf le madrasa d'yel les sœurs. Walakin,
باش ما تديش الوقت دي ولديك جامع. ميرسي بوكو مدام. Ma mère ne pouvait pas payer l'école coranique. Alors, il a eu l'idée de parler à Saïd, l'instituteur. 1 plus 3, 4. 1 plus 3, 4. 1 plus 4, 5. 1 plus 4, 5. سيدي عادي ماشي سكويله ولا بغى يعطي الدروس خصوصيه يدري دار وحده ولا والله ربيعه ساعد ولد الله عمر هدر خاصو يتعاون على الزمان شويه راه ضعيف بحالنا ضعيفه هي انا اما هو راه موظف وكيخدم مع المخزن Je me souviens bien quand j'ai eu finalement la chaise roulante. Je suis devenu enfin utile. Ici, c'était l'école coranique que je fréquentais quand je suis devenu capable de me déplacer. On avait un vieux frère qui ne faisait lire le Coran à voix haute à longueur de journée. Mais j'attendais impatiemment le jour où je pouvais aller dans une vraie école. Le 24 décembre de chaque année, c'est la fête de Noël. C'est l'hiver et tout est recouvert de neige. Il fait froid. Alors, ma mère allume chaque soir la cheminée. Mon père revient du travail, tout content du sapin qu'il nous a acheté. Ma mère et nous, nous l'avons décoré. Nous avons mis nos chaussures devant la cheminée pour que le Père Noël nous apporte des cadeaux. Attendez un moment, nous n'avons pas encore terminé. Et silence! Écoutez les enfants, vous allez refaire à la maison ce que nous avons rédigé ensemble et vous le rapporterez la semaine prochaine. Chaque année, le 24 décembre, c'est la fête de Noël. Il fait froid, mais ma mère allume la cheminée chaque soir. J'aime beaucoup le temps de l'hiver, car tout le monde est blanc de neige. Mon père est revenu de travail content. Il nous a acheté un sapin de Noël. Quand ma mère et nous avons décoré, nous avons mis les chaussures à côté de la cheminée pour que le Père Noël nous donne des cadeaux. Tiens, et comment ça s'est passé ta réunion avec les femmes françaises mariées à des Marocains? Ah, c'était formidable. Tu n'entends que. À moi, mon mari, eh bien, mais sa famille. Et l'autre qui répond. C'est comme moi, Abdou, je l'adore. Et alors ses sœurs? Insupportable. Enfin, on a passé une heure à ne parler que d'eux. Moi, mon mari. Oh, moi, mon mari. Et toi, ton mari, il est comment? Alors, il faut l'appeler l'association Maman Mari. Et toi, tu en es où avec ton écriture? Je viens de terminer le chapitre de l'école des sœurs et le sujet de Père Noël. C'était rigolo comme passage. Tu as bien avancé? Pas vraiment. J'ai encore plein d'images en tête, mais je ne sais pas comment les placer. Je crois qu'il faut voir ça avec l'éditeur. À ce sujet, Leïla nous a invités à manger samedi soir chez elle. Tu pourrais lui parler de tout ça? Bon, revenons un peu au sérieux et à notre sujet qui nous a fait quand même rire. D'après Hegel, l'homme ne devient parfaitement homme qu'en dépassant son animalité, son instinct de conservation. Ce qu'il définit le mieux, c'est sa capacité à mettre sa vie en jeu dans une lutte pour le seul prestige. La révolte a pour origine la honte de soi et pour support la colère. C'est le désir de l'homme d'être connu pour ce qu'il est essentiellement, un être libre
qui est, selon Hegel, le véritable moteur de l'histoire. À mon avis, il ne faut que des amis dans la vie pour être heureux. Une fois qu'on les a, on n'a plus besoin de rien. Sauf une jolie villa pour les recevoir. Une fois qu'on l'a, le problème est réglé. Le problème est réglé, surtout si on a une belle femme aussi. Voyez-vous, c'est aussi simple que ça la vie. Du moment qu'on a les amis, la villa, une belle femme aussi, on a tout. Il ne reste que les bricoles. Une de bonne, par exemple. Oui, c'est vrai que les bonnes sont devenues quand même un gros problème, parce que paraît-il, elles sont voleuses. Mais dans ce cas-là, il faut engager les petites bonnes. Mais là aussi, on risque d'être attaqué par... Non, j'ai rien. Je délire. Je sais. J'ai assez bu. Mais pour revenir à mon sujet, il faut avouer qu'on a besoin de cela et en plus, deux, trois voitures, un chauffeur, deux, trois chiens, un gardien, un jardinier, ou bien un qui fait les deux pour faire un peu d'économie. Enfin, je pense honnêtement qu'il faut plus qu'un salaire pour avoir tout cela. Alors, il vaut mieux ne pas avoir d'amis. Comme ça, on n'a rien. On n'a besoin de rien. Bon, mes chers amis, bonne fin de soirée et bonne nuit. Je trouve ton monologue très intéressant. Il faut l'écrire. Je n'arrive plus à écrire, mais je tiens à terminer mes mémoires, même s'ils ne verront jamais le jour. Tu m'as fait peur. Qui d'autre aurait pu te faire la surprise? J'étais en train de penser, puis... J'ai rentré plus tôt que d'habitude. Ça va? Pas vraiment, non. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est depuis la dernière soirée, Leïla. Ben, jusqu'à ce cas-là. Je sais pas. Je n'ai pas voulu t'en parler pour pas te parler de mes problèmes. Enfin, voilà. Je n'ai plus de travail. Alors? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu m'as toujours parlé de ton proverbe arabe. Quand une porte se ferme, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Inch'Allah. Christine a quitté son travail. Moi, je n'ai aucune nouvelle des demandes que j'ai déposées. Nos économies ont commencé à s'épuiser et nous vivons dans l'espoir que quelque chose de bien arrive. Khali? Khali? J'ai une surprise pour toi. Un nouveau travail? Non. Je suis enceinte. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas heureux? Si. Je suis heureux. Mais j'étais en train de penser à notre vie actuelle et à son avenir. Je ne veux pas être responsable de donner la vie à un enfant qui pourrait être une victime de circonstances, comme moi. L'handicap, ce n'est pas seulement physique. L'handicap, c'est l'ignorance, la pauvreté, la peur et la contrainte. Alors on rentre. Oui, on rentre.